À l'origine, l'effet de serre est un phénomène uniquement naturel. L'atmosphère terrestre est une enveloppe de gaz qui absorbe le rayonnement infrarouge de la Terre et emmagasine la chaleur. Sans ce bouclier naturel, appelé effet de serre, la température avoisinerait les moins 18 degrés et la vie ne serait probablement pas possible. Mais ce processus naturel a été déstabilisé par les concentrations dans l'atmosphère de trois gaz à effet de serre, notamment dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d'azote, qui ont atteint des niveaux records en 800 000 ans. En 130 ans, la température moyenne à la surface de la planète a gagné 0,85 degrés Celsius. Le niveau actuel des émissions conduit la planète vers une hausse de 4 degrés d'ici 2100. Pour les climatologues, les activités humaines en sont les principales responsables. Avec les combustibles fossiles, les émissions cumulées de CO2 ont atteint plus de 2000 milliards de tonnes depuis la première révolution industrielle de 1750. L'agriculture intensive, le méthane qu'elle génère, est responsable de 10 à 12% des émissions de gaz à effet de serre, les ruminants à eux seuls y contribuant à près de 40%. Et la déforestation, qui détruit la végétation, qui elle-même absorbe le CO2. Les impacts récents du changement climatique sont déjà visibles sur tous les continents, sur les systèmes humains et naturels, avec une multiplication de phénomènes extrêmes, tels que l'aggravation des sécheresses, les inondations, l'élévation du niveau de la mer due à la fonte des glaciers et à l'expansion thermique de l'eau, l'acidification des océans, la disparition de certaines espèces, animales ou végétales. Les conséquences du réchauffement climatique seront dévastatrices et irréversibles s'il n'était pas rapidement contrôlé, ne cessent de rappeler les climatologues de l'ONU.